fuck up! La vidéo d'aujourd'hui, c'est genre un unboxing vraiment random parce que je viens d'aller chercher le courrier. J'ai reçu une boîte de Sephora. Je sais pas ce qu'il y a dedans. J'ai fait une commande semaine passée. J'ai changé tellement de fois ce qu'il y avait dedans que je me souviens plus de c'est quoi que j'ai commandé finalement. Donc on va le découvrir. C'est sûr que j'ouvre la boîte, je vais être genre « Oh oui, c'est vrai! C'est ça! » Mais pour l'instant, vraiment pas si tant intéressant, donc si la vidéo vous intéresse pas, je comprends parfaitement. Je vais essayer d'ouvrir ça avec mon âme. Oui, je suis en pyjama. J'ai aucune idée. Des samples que j'ai pris probablement avec mon order. Refresh Nourishing Lip Balm Advanced Therapy. Puis ça, c'est vraiment nice parce que je me cherche un lip balm qui est pas de la fucking marde. Adoucit les lèvres pour donner une apparence plus jeune. Eh hey boy. Ouais, bah tu sais, on voit la grande quantité de produits disponibles. Juliette Has a Gun. C'est un parfum. Not a perfume. Whatever. Ça fait comme parfum de prof au primaire, genre. Ok, c'est peut-être moi qui est vraiment weird, mais non, voilà. Oh, c'est mon parfum. Je fais quoi? Love Story Chloé. La rencontre d'une fleur d'oranger lumineuse et sensuelle avec le jasmin Stéphanotis, fleur de bonheur. Ouais, j'aime définitivement plus. Ah oui, oui! La neige. Masque de nuit à queue. masque de nuit hydratant intense pour tous les types de peau. Oh, c'est tellement cute! Ok, ça sent probablement quelque chose, mais tous tes parfums, je sens absolument rien. Ah, fuck. Petit mouvement, tout ce que j'ai vraiment commandé. Ça, je m'en souviens. Je vais devoir chuchoter. Mais c'est Dieu le sait, cadeau pour la fête des mères. La fête des mères est pas encore passée, pis là, elle est en bas, mais écoute. Tu classe. Le Burberry. Fait que j'ai pris dans deux shades différentes parce que c'est une heure que j'ai gardée, pis j'ai une heure que j'ai. Ok, nude pink, puis c'est. Blossom. J'ai reçu quelque chose de Becca, je sais pas c'est quoi. Ever Matte, base perfectrice, pore invisible. J'ai tellement un bug de cerveau, j'ai aucune idée. Je suis contente d'avoir commandé ça. Mais je m'en souvenais tellement pas. Check la texture. Ok, ça matifie vraiment long. Donc c'est tout. J'ai aucune idée de qu'est-ce qui s'est passé dans mon cerveau entre le temps que j'ai commandé la commande puis que genre après j'ai reçu. Moi que vu que je l'ai commandé comment vers la fin de la semaine, il livre pas pendant la fin de semaine, fait que je me suis juste dit ah de toute façon je le recevrai pas pendant la fin de semaine, fait que j'ai juste genre délité l'information. Et je vais vous update aussi sur qu'est-ce que j'ai pensé des produits que j'ai reçus, si finalement il valait la peine d'être commandé ou si je les ai oubliés pour une bonne raison. Ouais, sinon n'oubliez pas de vous abonner, donnez-moi un thumbs up et on se voit dans le prochain vidéo. Je vais essayer de faire ça. Je sais pas si ça a quelque chose, je sens plus rien. Oh! C'est moi.
moi qui sens ça. Ça pue. Tu sens rien. Wow. Écoutez Lizzie McGuire pour la première fois, fait que en ce moment, je suis comme. By the way, écoutez pas ça. C'est vraiment mauvais.